La faveur d'Odin est inconstante. Impressionnez-le par votre audace, et il vous mènera à la victoire. Mais si vous laissez votre audace se changer en orgueil, elle vous livrera à vos ennemis. Ça, ça a l'air d'être un mec très balèze. Ils attendent, mais pas longtemps. Ah, bordel, mais j'ai toujours la souris qui fait des trucs bizarres parfois. La garde. C'est la fin. Ils vont mourir, bah ça a l'air d'être en mode ah merde, on est coincé. C'est le caca. Comment se faire poutrer? En mode easy. Je peux pas un V3 moi, j'ai pas encore appris un V3. Déjà un V2 j'ai du mal. Déjà un Orochi tout seul j'ai du mal. Déjà un Orochi tout seul j'ai du mal, alors si dans mes 3, c'est bon, je rentre chez maman. Mais le multiclonage, c'est pas Naruto qui l'a inventé, faut arrêter avec ça. Il y a déjà du multiclonage dans Dragon Ball, qui est bien plus tôt. Oh oui, tous à terre. Allez, ça suffit. C'est trop galère quoi. Mais ça a changé de direction. Je serai ton adversaire. Au dernier moment, quand j'ai switch de cible, ça a changé de direction quoi. Oh.
putain. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Saloperie. Ah, c'est maintenant que vous décidez à m'aider. C'est maintenant qu'il dit tiens, on va l'aider. Si, il y a d'autres animes de ninja bien avant Naruto. Juste qu'ils sont un peu moins connus par le grand public. C'est tout. Ah, je parle de Dragon Ball, mais pas Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball, tu as le multiclonage. Pas moyen d'aller plus loin. Impressionnant. Enfin un bon combat. Tu as l'étoffe de grand guerrier. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je savais pas qu'il avait ce genre de posture, le... Tu as l'étoffe des grands guerriers. Non. J'ai la PLS des petits nous. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Je vais t'anéantir. Oh putain. J'ai rien compris à ce qui se passe. Des grands guerriers. Il n'y a pas que Tenchinan dans DB de base, le Dragon Ball de base. Il y a plein de personnages qui utilisent justement le multiclonage. Par contre, c'est des images rémanescentes. C'est pas des clones. C'est pas des vrais clones. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Saloperie d'attaque de merde. Je me fais juste PLS. Bah je l'utilise. Je l'utilise, c'est juste que je fais des attaques, il les esquive, il met des coups et je meurs. Et arrête de spam ton texte. Là. Des grands guerriers. Là, ce petit esquive combo là. Tu as l'étoffe des grands guerriers. C'est ça qui me met en PLS. Parce que je... Oh putain, oh l'enfoiré. Je peux pas l'esquiver après, enfin la parer, l'attaque après. Je suis encore dans ma frame d'attaque. Des grands guerriers. Nous entrerons dans la légende. Oh putain, le deflect. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Ah, il tombe pas. Non. Oh putain. Bon, ça c'était en scénarise. C'est bon. Plus bien longtemps.
tu veux l'affronter sur le pont. Il a retiré son jabot. Putain, mais le combo qui me met. Le combo. Je compte bien te tuer d'abord. Je tombe genre trop par terre. Ah là je peux. Je dois te vaincre. Oh le déflect. Je dois te vaincre. Voilà, là j'ai pas pu. L'enchaînement que c'est quoi. L'enchaînement que c'est. Bon moi je full life maintenant. Ou pas. Ou pas. Ça suffit hein. Mais je peux faire que ça. Je peux pas faire par là. C'est parti. Et voilà. Foutu attaque de merde. Là j'ai pas pu. Et j'ai déjà plus de vie. Il me fout par terre et je suis fini. Orochi. Arrêtez de me pousser dans les flèches là. Mais j'arrive pas à parer les 7. C'est ça le truc. A chaque fois je me fais niquer en mode. La souris fait n'importe quoi. Je dois te vaincre. Voilà, il a pas paré celle-là. Alors j'ai bien bougé la souris en mode comme ça, mais il l'a pas paré. Et pourquoi ça. C'est ça qu'il voulait me faire passer à la manette, mais ça marche pas à la manette pour moi. C'est la souris fait n'importe quoi avec sa garde de merde. Voilà, je suis encore mort. Alors j'ai fait le bon geste, hein. J'ai fait le geste, je pars vers le bon côté. Mais il n'y a pas moyen. La souris fait n'importe quoi. Du coup, la garde fait pareil. Je n'ai pas fait exprès du tout. Non mais vraiment, si tu fais attention à ce que fait la garde, tu verras qu'il y a des moments où la garde bouge dans tous les sens alors que ma souris ne bouge pas. C'est ça le pire. Ou alors je switch de mec et la garde switch aussi alors que la souris ne bouge pas. Comment battre le boss en mode easy. Qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce que c'est le Jarl qui est parti tout seul? C'est ouvert.
nous avions raison. Peut-être que nous. Derrière ces portes. Effectivement. Des monceaux de trésors. Le grand raid de la grande horde entrerait dans l'histoire. Et Apuleius, c'est son cheval. Si les commandants de la Légion de Fer l'apprenaient. Maintenant, on peut parler. Ah, ravi de l'entendre. Nous sommes vos humbles serviteurs, madame. Alors, quel est le vrai plan ? La guerre. Bien sûr, pour la guerre. On le savait déjà. L'état naturel de notre espèce. Et pourtant, ces monstres sans défi, ce sont des lâches. Nous devons être braves à leur place. Nous ne pouvons pas déclencher la guerre partout. Mais si, en ralliant nos ennemis à notre cause. Ça justifie les moyens. Plein de bonus. Ah, il y a pour les autres classes aussi. Ah, c'est peut-être parce que j'ai fini tout en difficile. Un guerrier parmi les samouraïs aurait pourtant pu empêcher ce désastre. Un Orochi qui croupissait depuis des années au fond d'un cachot. Sa captivité allait bientôt prendre fin. Et le chapitre 3 est débloqué. Mais ce sera pour la prochaine fois. Sûrement demain d'ailleurs.